Bonjour, je suis Jeanne Ellis, je suis romancière auto-éditée sur Amazon depuis mars 2020. Alors j'ai auto-publié mon premier roman en mars 2020 sur Amazon. Et une fois que la famille et les amis l'avaient acheté, on peut pas dire qu'il se passait grand chose au niveau des ventes. Donc là je me suis dit, il va falloir faire quelque chose et j'ai décidé de me lancer dans les publicités Amazon. Donc j'ai fait ça un peu au pif, un peu en dilettante. Et j'ai perdu plus d'argent que ce que j'en ai gagné. Hein, je me suis dit qu'il allait peut-être falloir se former. J'ai donc lu des guides pratiques sur le sujet. J'ai acheté une première formation. Alors cette formation était très bien faite. Hein. J'ai appris à paramétrer des publicités, à chercher les mots clés, les asines, etc. Mais c'est pas suffisant parce que en fait les publicités, une fois qu'on les a lancées, il faut encore les faire vivre, les entretenir. Et pour ça, il faut éditer les rapports Amazon et rechercher les mots-clés qui fonctionnent, les asines qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent pas, qui nous coûtent de l'argent mais qui nous rapportent rien, etc. Et ça, c'est une partie extrêmement fastidieuse et extrêmement laborieuse. Donc, je ne le faisais pas. Et puis, un jour, en discutant avec une autre romancière, elle m'a parlé de la formation de Steven en me disant qu'il avait mis au point un outil Excel, un tableau Excel, en fait, qui permettait de rechercher automatiquement ses asines et ses mots-clés qui fonctionnent ou au contraire qui ne fonctionnent pas. Et suite à cette analyse, il y a des suggestions qui sont éditées directement, qui nous disent quels mots-clés garder, ce qu'il vaut mieux, enfin s'il y a des mots-clés qu'il faut ajouter, d'autres qu'il faut supprimer, les enchères suggérées, etc. Donc après, évidemment, il faut analyser les résultats parce que parfois ce n'est pas pertinent, mais ça nous fait gagner un temps incroyable et surtout ça nous permet de faire vivre nos publicités puisque en fait si on fait des pubs mais qu'on les fait pas vivre, c'est un petit peu gâché quoi. Et l'autre chose aussi que j'apprécie beaucoup, c'est la disponibilité de Steven. Puisque en ce qui me concerne, les publicités que j'avais déjà mises en route, maintenant 2 ans, je ne pouvais pas les analyser avec cet outil. Donc il me fallait tout recommencer, mais ça voulait dire perdre un petit peu tout ce que l'algorithme des pubs Amazon avait assimilé au sujet de mes livres et de mes publicités. Donc c'était un peu du gâchis. Et Steven m'a aidé à reparamétrer mes publicités de manière à ce que je puisse les analyser avec l'outil. Donc voilà, il y a aussi un groupe Facebook bien sûr, mais ça c'est pas spécifique, j'ai envie de dire, à la formation. Ce qui est spécifique, c'est que vraiment Steven assure après le SAV et nous aide en cas de besoin. Donc en ce qui me concerne, ça m'a apporté énormément, vraiment. Et c'est vrai que depuis, quand un romancier ou une romancière me demande quelle formation j'ai suivie et laquelle je lui conseille, pour ma part, sans hésiter, c'est celle de Steven et Anaïs. Voilà, merci bien, au revoir.